On va se le dire, ça a été une semaine particulièrement difficile dans l'actualité. Les images qu'on vous présente depuis samedi brisent le cœur. Puis ce soir, on voulait trouver une façon de sourire en parlant d'actualité. Puis ça tombe bien parce que notre prochain invité, il a fait ça pendant 40 ans, parler d'actualité et vous faire sourire dans ses spectacles. Et il est de retour, et il est toujours sur scène à l'âge de 67 ans. Puis on a un extrait de son nouveau spectacle à vous présenter. Non, mais j'ai fait mon premier spectacle en 1982. Important de préciser. Et un soir, je demandais aux gens dans la salle, c'est quelqu'un, par hasard, qui avait vu ça à l'époque. Et il y en a un qui a dit oui. Et il a demandé à se faire rembourser. Ça fait que j'ai donné son 2 piastres, hein, finalement. Mais comme je disais, ça fait 40 ans que je regarde l'actualité. Et je me rappelle, à l'époque, on faisait des blagues sur les travaux routiers, les urgences qui débordent. Premier ministre Trudeau, ça a changé. Quand on parle de vieillir, il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres. Ah, comme les Rolling Stones, par exemple. Écoute, Mick Jagger, 80 ans. Écoute, Keith Richards, à peu près la même chose. Et ils sortent un nouvel album, là. Et ils sont même en tournée. Et non, mais ils jouent safe, là. Il y a un taxidermiste qui les suit quand même. C'est ça. Daniel Lemire, bonsoir, bienvenue à l'émission. Ah, c'est gentil. Très heureux d'être ici. Il est où? Votre taxidermiste? Ah, ben... Moi, c'est quand même, je suis plus jeune un peu. Mais... Malgré le fait, j'ai eu 68 ans hier. Alors, Bonne fête. Ah, mais c'est Bonne gentil. Fête en retard. À 68 ans, on est dans une tournée qui nous amène aux quatre coins du Québec. Vous avez encore la forme et l'énergie pour le faire? Oui, 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 tout à fait. Écoute... Mais c'est très énergisant de faire rire les gens. Tu sais, ça, j'avoue, moi, c'est, je m'ennuyais de ça. Et c'est peut-être la dernière fois que je peux le faire aussi. On verra, là, tu sais. Mais je ne rajeunis pas. Puis écoute, on verra. Une chose à la fois. L'univers, Daniel Lemire, lui, reste intact. Ouais. Vos personnages. Tu sais, faire grandir et évoluer un personnage sur plusieurs décennies... En le laissant drôle, en le gardant aussi pertinent, c'est quand même un gros défi. Oui. C'est pas toujours réussi. Vous l'admettez. Mais non, non, mais écoute, dépendant des spectacles, il y a des fois que, bon, l'idée était... semblait bonne à la base, ouais. Tu sais, mais finalement, le résultat... Mais dans ce show-ci, je pense qu'on s'est pas trop trompé. Là. À date, les gens apprécient, puis écoute... Les gens rient. Oui, 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 tout à fait. L'actualité, ça a toujours été une de vos matières premières, là, tu sais, le produit brut. Puis l'actualité, parfois, ça évolue très rapidement. Mm. Puis quand on regarde ça avec perspective, on constate que ça change pas trop. Puis on va regarder un extrait, d'ailleurs. Premièrement, sur le plan économique, avec la récession, ça a été dur. Hein? D'ailleurs, s'il est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur, disons que les gouvernements font tout pour qu'on soit heureux. Mais à cause d'un conflit de travail avec les médecins, les urgences fonctionnaient au ralenti. Ça commence à être slow, ça. Dans le genre, apportez votre sérum, ça. Hein? Non, mais les hôpitaux sont débordés. Et, ce qui est bizarre, c'est que certains hôpitaux ont congédié des médecins. Je sais pas si c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour faire de la place, là, mais... Non, mais sérieux, c'est à cause des fameux quotas d'accouchement, là. D'ailleurs, dernièrement, il y a une femme qui a eu des jumeaux, un à Saint-Luc, l'autre à Sainte-Justine. C'est un gag qui date de 96. Oui. Vous auriez pas changé tant que vous auriez pu le compter ce soir. Oui, tout à fait. L'actualité change, mais change pas tant que ça. Non, le Québec évolue, mais pas tant que ça. Non, tout à fait. Ça change, mais écoute... Ce qui change, je trouve, c'est le clivage. Tu sais, les gens sont plus... comment je pourrais dire? C'est plus délicat, tu sais, dans le sens que... avant, tu pouvais faire un gag que certaines personnes pouvaient trouver bon, alors que maintenant, là, tu sais, ils grimpent après un mur rapidement. Là. Tu sais, les fils se touchent vite. Là. Ça vous habite, ça, quand vous écrivez, puis vous dites, je veux pas me ramasser sur la page, la première page du Journal de Montréal demain parce que j'ai fait un gag qui serait jugé raciste ou homophobe? Non, j'ai jamais fait de gag de ce genre-là, tu sais, mais c'est plutôt dans la salle où, ouais. Où tu reçois des commentaires sur les réseaux sociaux et tout ça. C'est pour ça que je fréquente pas ça plus que ça.
Mais les gens sont chatouilleux, beaucoup plus qu'avant. Beaucoup plus qu'avant. Oh, oui, ça, c'est clair. L'actualité, on le disait, c'est votre matière première. Avez-vous l'impression que les gens suivent plus l'actualité et puis répondent davantage à vos gags? Ça dépend à qui, tu sais, parce que moi, j'ai remarqué que depuis quand même quelques mois ou un an ou deux, depuis la COVID peut-être, ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont décroché parce qu'ils trouvent ça trop déprimant. Ou alors, ils ont décroché pendant un bout de temps, là, parce que, écoute, quand même, les nouvelles sont relativement réjouissantes. Oui, les nouvelles sont parfois difficiles, puis vous le constatez dans vos spectacles. Oui, les gens ne rient pas nécessairement à des références à l'actualité, puis ils suivent peut-être un peu moins l'actualité. Puis, tu sais, vous l'avez évoqué, on vit dans une société qui est de plus en plus polarisée. Est-ce qu'on peut rire de tout aujourd'hui? Bien, ça dépend de l'angle, tu sais. Ça dépend comment t'en ris et tout ça. Mais c'est très délicat, tu sais. Il y a des sujets, là... Daniel Lemire, est-ce que vous auriez refait ce gag-là? On vous en présente un. Ah, vous êtes pas sur la liste, là. Vous êtes mort comment, vous, là? Vous étiez un kamikaze. On parle pas du drink, là. Hein? OK. Vous vous êtes fait sauter avec une bombe artisanale. Vous avez pris ça au Salon des métiers d'art de Kaboul, je présume. Vous deviez être dans la branche folklorique d'Al-Qaïda, vous autres. Youkaïdi Al-Qaïda. Il rit pas pantoute. En 2012. Oui. On peut en rire. Oui, oui, quand même. Ouais. Parce que, quelque part, moi, il y a des sujets... Écoute, si ça peut choquer des gens, j'ai pas trop de problème avec ça, dans le sens que... écoute, moi, j'ai le goût de rire de ça. Puis, il y a un côté absurde aussi. Et ça, c'était dans le temps que, justement, Al-Qaïda faisait beaucoup d'attentats. Là. Ouais. Là, ils se sont calmés de pompon pas mal depuis quelques années. D'autres ont pris la relève. Exactement. Mais, tu sais, il y a des sujets comme, par exemple, je fais quand même pas mal de gags sur Trump, sur les États-Unis, dans le show, parce que ça me préoccupe beaucoup ce qui se passe là. Alors, c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui l'aime, Trump, là, ben, il trouvera pas ça drôle. Mais ça, c'est son problème. À un moment donné, tu peux pas faire attention à ce point-là. Il faut t'émettre des opinions aussi. Il faut piquer, puis piquer, ça peut parfois faire rire, notamment. Exactement. Daniel Lemire, on continue de jaser au retour de cette courte pause. À tout de suite. D'ailleurs, parlant de vieillir, j'ai entendu un gag. C'est un comique américain qui a fait ce gag-là. Je voulais y emprunter pour ce soir, parce que je l'ai trouvé vraiment drôle. Il disait, je pense que j'ai... trouver comment je vais mourir. Je vais être couché sur mon lit d'hôpital, plugué de partout, entouré de ma famille. Et c'est mon fils qui va venir me dépluguer pour pouvoir charger son téléphone. Celle-là est bonne, Daniel. Ce n'est que trop vrai. Ce n'est que trop vrai. Dans ce spectacle-là, vous abordez des thématiques bien contemporaines avec des personnages issus de votre univers. Mmh. Je pense à Yvon Travaillé qui parle de pénurie de main-d'œuvre. Oui, bien là, il était identifié au chômage, tu sais. Fait que c'est sûr que ça allait de soi. Ouais. Oncle Georges qui est devenu influenceur. Mon personnage, Maurice, l'ancien fumeur, qui lui, tu sais, comme je disais tantôt, on sent que les gens, les fils se touchent vite, tu sais, depuis quelque temps. Alors, lui, il est comme en thérapie, justement, pour contrôler sa colère, parce qu'il y a eu 6 cas de rage au volant la semaine passée, dont 3 pendant qu'il était à pied. Fait que, tu vois, mais c'est plus difficile de trouver des angles pour le comique dans l'actualité, par exemple. Ça, j'avoue que... Le terreau est moins fertile, peut-être. Bien, il y a beaucoup de sujets qui portent pas à rire. Oui. Faire une tournée en 2023, c'est différent, là. Ouais. C'est plus comme dans les années 2000, dans les années 90. Oui. Qu'est-ce qui a changé dans la tournée, dans la complexité d'une opération, de la mise en œuvre d'un tel spectacle? Bien, premièrement, juste de circuler, c'est pas mal plus compliqué. Il y a du trafic. Oui, c'est un petit peu. Et partout, pas juste à Montréal. Avant, la problématique était à Montréal, mais maintenant, c'est partout. Parce que, faisait un bout de temps, je n'avais pas fait de tournée, et j'ai remarqué que toutes les villes ont pratiquement doublé. Ouais. Il y a tellement de monde partout. Alors, et la COVID a fait qu'on a perdu beaucoup de techniciens, on a perdu beaucoup de gens, les travailleurs du milieu, du spectacle et tout. Alors, c'est un petit peu plus laborieux, là, tu sais. Mais bon, écoute, il y a pire d'envie. Oui! Là, vous en avez fait combien de spectacles de cette tournée? Une quarantaine.
Et vous, il vous en reste combien? Il vous reste au moins un bon 2 ans de tournée? À peu près, oui. C'est dur à dire, là, mais autour de... C'est votre objectif. Oui. En terminant, il nous reste 30 secondes, Daniel Lemire, vous êtes sur le mont Rushmore des humoristes québécois. S'il y avait un humoriste de la relève que vous aimeriez voir à vos côtés sur le mont Rushmore? Ah, il y en a plusieurs. Moi, j'aime beaucoup Louis T., Simon Leblanc, Pierre-Yves Desmarais. Voilà. Écoute, il y en a plusieurs. Rosalie Vaillancourt, ouais, que j'aime beaucoup. Écoute, Daniel Lemire, il y en a tellement. Il y en a énormément. Ouais. Il n'y a pas de pénurie d'humoristes. Merci beaucoup. Bonne tournée. Ah, écoute, t'es gentil. Merci. Fait plaisir.